Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui te rends compte que l'année ayant à peine débuté, tu auras déjà du mal à tenir la moitié des promesses que tu t'étais faites de réaliser durant cette année 2019, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles? In my room. Il y a des films qui passent sous le radar de tout le monde, et à la base, c'est pour cette raison que j'ai rapidement choisi de réorienter la ligne éditoriale de cette émission, et que je me suis dit qu'en fin de mois, chaque mois de l'année, je vous conseillerais un film qui serait important et dont presque personne n'aurait parlé. Si je me doutais que le film de Ulrich Köhler allait forcément passer inaperçu, je me serais tout de même attendu à ce que son statut de film faisant partie de la sélection Un certain regard de Cannes lui aurait permis de trouver tout de même un public en salle. Mais malheureusement, le film allemand s'est rapidement retrouvé sans la moindre chance. Mais je souhaite que cela soit rapidement corrigé grâce aux plus farouches d'entre vous et ceux qui n'ont pas peur d'aller voir un film que je leur conseille fortement. Il faut absolument que vous alliez voir le nouveau film d'Ulrich Köhler. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le cinéaste allemand combine ici tout ce qui pour moi fait la grandeur d'un moment de cinéma maîtrisé de bout en bout. Pour une œuvre tout simplement fascinante, un fragment de cinéma suspendu dans le temps, un morceau de bravoure totalement maîtrisé par un auteur qui sait exactement quoi faire d'un concept de base surprenant. Je ne souhaite pas trop vous en dire, mais en gros, le metteur en scène a choisi de mettre en place une base dramatique proche d'un film sur la famille et le lien que l'on entretient avec celle-ci. Mais au beau milieu du film, l'auteur change totalement la donne et donne lieu à l'un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vu depuis un bon petit moment. C'est poétique, c'est touchant, c'est sincère, c'est émouvant, bref, c'est tout ce que je recherche dans une œuvre de cinéma. La mise en scène est stupéfiante de maîtrise, proposant à la fois une lecture de genre, mais également une proposition de réflexion autour de la planète et de notre rapport avec celle-ci. Le scénario est à la fois un grand film poétique sur la difficulté de s'inclure dans une société qui nous rejette, tout en étant une fable onirique sur l'amour et son importance dans la vie d'un être humain. Les acteurs sont tout simplement hallucinants de perfection et de justesse, bref, je ne saurais comment en rajouter plus pour vous apporter le point de vue le plus affiné possible, mais une chose est sûre, ce film finira forcément et certainement dans mon top de fin d'année, parce que dans le genre, c'est un immense morceau de cinéma, bien réalisé, bien écrit. Bref, parfait. Vous l'aurez compris donc, foncez voir In My Room. C'est un grand film de cinéma, c'est une œuvre à la fois touchante et sincère, c'est un film qui sait exactement dans quelle direction nous emmener, bref, c'est un film qui me rappelle que dans une salle de cinéma, la chose la plus importante, c'est qu'un film soit avant tout grand et fort pour réussir à totalement nous conquérir.